Sankt Jakob Park ou Parc Saint-Jacques, c'est ici que joue habituellement le FC Bâle. Grégoire Margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés Darren Tulette qui nous livrera son analyse technique. Salut Grégoire, toujours un plaisir de commenter un match avec vous. Alors que retentit l'hymne de l'UEFA Champions League. Découvrir les choix des deux entraîneurs. Kirikes. Il écarte, il joue sur l'aile. De la tête. C'est dégagé. Un centre lointain. C'est joué long, attention. Le ballon s'en touche. Il joue dans l'espace. Il peut en profiter. La frappe. C'est cadré. C'est but. Et c'est le but. Quelle précision. Le gardien ne pouvait rien faire. Alors là, c'était totalement impossible d'aller la chercher. Ouvre la marque. Belle passe lobée sur l'aile. L'interception au bon moment. Il relance côté droit. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Dégagement. Il choisit la base sur l'aile. Allez, la tête. Il n'a pas complètement réussi son geste. Il y avait du monde dans la surface là, c'était une belle occasion. Long ballon dans le sens du jeu. Tagoev. C'est quand même un début de match de rêve. Dans le dos de la défense, autour du gardien de jouer. Kirikes. Bale. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. La passe en retrait vers son défenseur.
qui est le premier sur ce ballon. Traoré. Oh, l'intervention pleine de détermination. À la régulière, il est battu, joli tacle. C'est joué long, c'est dangereux. Bogdan Stankou. Bale. Et il redonne derrière. C'est plutôt intelligent. C'est bien fait, ça. Ce sera un coup franc. C'est pas possible, carton rouge. Oh, ça va pénaliser toute son équipe, c'est sûr. Mais pourquoi il a fait cette faute-là? Il n'y avait pas de gros danger. Et par contre, là, il y en a. Quel dommage. Traoré ! Oh, elle était belle, cette tête. Mais ça ne suffit pas. S'est levé. Le long dégagement du gardien. Il préfère jouer avec son gardien. Le gardien loin devant. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Il met le pied, ballon récupéré. Voilà, un coup franc intéressant. Oui, il peut frapper là. Il peut encore frapper jusqu'au bout. Oh, quel geste inutile, il s'est complètement jeté. Oh, pénalty, et je crois que l'arbitre a pris la bonne décision. Que décide l'arbitre? C'est le rouge, carton rouge. Ça, c'est du sacrifice. Ils étaient en très mauvaise posture, il fallait intervenir. Malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent dans une telle situation. Quel gâchis, mais c'est vraiment dommage. Bale. La bonne passe. Tagoef, ça peut partir en contre. Ouverture vers le poteau de corner. Allez, c'est dangereux. Traoré qui s'échappe. Il cherche son coéquipier. Il glisse le ballon en profondeur. Le long dégagement du gardien. Il choisit la profondeur. C'est repoussé par la défense. Voilà qui met un terme à cette première période.
Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent un avantage. Le score donc 1-0. On espère encore plus de jeux, de spectacles au cours des 45 prochaines minutes. Et c'est le coup d'envoi, encore 45 minutes. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Et ce ballon vers ses attaquants. La passe est précise. La passe était parfaite, c'est du gâchis. Zagoev lui adresse un véritable bijou dans l'espace. Ça avait pris tout le monde par surprise. Clairement, ils sont revenus des vestiaires avec l'envie d'attaquer. Ça promet du spectacle pour cette deuxième période. C'est joué long, attention. En retrait vers son gardien. Kirikes. C'est joué long. Bale. Qui tente un centre lointain. Il a pris tout le monde de vitesse. Oh, l'intervention magnifique. Le centre plein axe. Eh bien, sauf erreur de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les airs. Ce ballon bien dosé. Natko. Ça, c'est une interception parfaite. Rat qui choisit de centrer. On dirait qu'ils se méfient de la vitesse des attaquants adverses. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing, à votre avis? Oui, parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal. Bale. Le bon tacle! Centré dans la boîte. Il essaye un long ballon. Il joue en profondeur. Le ballon piqué, ça manque de précision. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. C'était plus du marquage, c'est du harcèlement. C'est pas étonnant, vu ce qu'il a déjà fait. Il joue dans l'espace. Natko. Il écarte le jeu. Le bon dribble. Faut frapper là. Oh, le gardien est là. La classe. Quelle classe. C'était un arrêt extraordinaire. Bale. Il glisse le ballon en profondeur. Dans le dos de la défense. Dans le dos. C'est une occasion ça. Sur le poteau. Pas loin, mais ça ne rentre pas. C'est le poteau qui repousse, il a vraiment pas de chance sur ce tir. Le gardien s'en sort bien. Il était pas loin de faire trembler les filets, encore une fois. C'est vraiment un joueur à part, du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie. Pour trouver la faille dans la défense. Quel timing dans l'interception. Le gardien loin devant. C'est bien donné. Zagoev bien servi. Et l'arrêt, magnifique. C'est un super arrêt. Fine save. Décide d'allonger le jeu. Un long ballon vers l'avant. Il tente de la jouer dans l'espace. Ouverture lumineuse. C'est bien écarté. Mais il était bien présent. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. C'est bien donné. Il tire. Oh, c'est au fond. Ils creusent l'écart, ils ont maintenant deux buts d'avance. La frappe lointaine et quelle précision. Bon, avant, je chambrais un peu les gardiens sur ces tirs de loin. Mais maintenant, je suis un peu moins dur. C'est très difficile de lire la trajectoire de ces ballons flottants.
Il a terminé son échauffement, se rapproche du terrain. Un changement va intervenir sous peu. Trois buts d'avance au tableau d'affichage. C'est reparti. La passe allongée. Excellent repli défensif. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui. Ça devient un peu la norme. Ce sera un coup franc, bien sûr. C'est joué dans la surface. Ignacevic. Ce contre peut très bien aller au bout. C'est joué long, attention. Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampons. Il glisse le ballon en profondeur. Quelle fait du bien, cette interception. Ouais, c'était bien dans l'idée, mais personne pour la reprendre. Ah, il manque de bol, là. Mais il faut qu'il soit plus tranchant. Oh, le but ! Le voilà, le renard ! Le voilà, le buteur ! Et il marque en toute fin de match. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But ! Et l'entraîneur a eu raison de le faire entrer, ça paye vite. Et voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu, c'est fabuleux. Dernier coup de poker de l'entraîneur. Oui, il était fini, crevé, carbo, comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire sortir. Kirikès. Le long centre. Pour trouver la faille dans la défense. Et la défense se donne de l'air. Et le ballon est sorti. Touche. Il joue dans l'espace. C'est osé. Jolie passe lobée. Il glisse le ballon en profondeur. La parade, superbe. Pleine de détermination. Natko. Oh, il a bien vu son coéquipier. Dans le dos de la défense. Dans l'espace, bien vu. Va-t-il en profiter? Un centre, vers le second poteau. Ça peut être dangereux. Le but. Et ça va au fond des filets. Bonne égalisation, meilleur des moments possibles. Le match est presque terminé. Quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? Vous savez, il paraît qu'on voit deux choses de l'espace. La grande muraille de Chine et le trou dans la défense. C'est dire. Il fallait gagner pour bien rentrer dans cette compétition. Mission accomplie, c'est une très bonne base pour la suite. Et comment analyser une telle différence entre l'aller et le retour? C'est le grand paradoxe du sport. La vérité d'un jour est rarement celle du lendemain.
Thank you.